Bithynie, un Abélène. Le grand prêtre étant Anné et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Judée en proclamant un baptême de conversion pour le pardon de péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, des prophètes. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaisées. Le passage tortueux deviendra droit, le chemin recueilli sera aplani, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Le thème de mon homélie ce matin est « Laissez l'amour vous guider ». Alors que nous traversons la deuxième semaine de l'Avent, la parole de Dieu nous appelle à préparer nos cœurs et la venue du Christ. Aujourd'hui, on nous rappelle que cette préparation implique souvent de niveler le vallée de désespoir et les montagnes de l'orgueil, du doute et du péché dans nos vies. Nous avons allumé la deuxième chandelle de l'Avent qui représente l'amour. Ces mots de quatre lettres a tellement de signification. C'est aussi un mot qui a été très mal utilisé. Cependant, la bonne compréhension de l'amour se trouve dans la Bible. 1 Jean chapitre 4, verset 8, nous dit que Dieu est amour. Si Dieu est amour, cela signifie que l'amour est Dieu. Selon cette logique, tout acte de bonté qui n'est pas centré sur Dieu n'est pas l'amour. L'amour n'est pas jaloux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne garde pas trace de tort. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour endure tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour ne finit jamais. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13 nous dit qu'il n'y a que trois choses dans ce monde qui durent pour toujours. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles est l'amour. Chers frères et sœurs en Christ, la manière pratique de montrer son amour est de rechercher ceux qui sont dans le besoin et de les aider. Si la douleur de mon frère
ou de ma sœur ne me concerne pas, alors je ne suis pas un bon chrétien. Si je me réjouis du malheur de mon prochain, alors je ne suis pas un bon chrétien. Si je suis triste du succès de mon prochain, alors je ne suis pas une bonne personne. Galates chapitre 5, verset 6 nous dit que la foi est l'amour en action. En cette période de l'Avent, soyons des hommes et des femmes d'amour. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous. Et avec vous.